Eh bien salut tout le monde, c'est Ryan925, aujourd'hui toute nouvelle vidéo de ce qui va être la découverte de Far Cry 6 qui est développé par Ubisoft et édité également par Ubisoft. Il me semble que c'est Ubisoft Québec qui développe principalement avec d'autres studios Ubisoft. Donc voilà, Far Cry 6 sera disponible dès le 7 octobre sur toutes les consoles sauf Nintendo Switch. Donc, c'est-à-dire PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS, PC, Google Stadia, je crois Amazon Luna aussi, et Steam. Et PC, via Uplay, tout ça, PC, bref, voilà quoi. Il sera disponible partout, quoi, la totale, comme les gros jeux Ubisoft, comme d'habitude. Donc, voilà. Donc, Far Cry 6, on va voir ce qu'il donne, on va découvrir. Le début du jeu ensemble, donc j'ai déjà paramétré quelques trucs, j'ai agrandi les sous-cheats, etc. La sensibilité, je l'augmenterai s'il faut. Il y a beaucoup d'options d'accessibilité, donc c'est un très bon point à noter, hein. Il y a vraiment énormément de choses. C'est vraiment cool pour les personnes qui ont besoin de d'autres options que ceux de base ou. C'est vraiment complet, je trouve. Un véhicule, à cheval, l'avion, Jelito, menu, voilà. A vraiment plein d'accessibilité. C'est vraiment cool d'options d'accessibilité. Donc, on va découvrir le jeu. Donc, je l'ai reçu en avance. Je l'avais préco à Micromania via une offre de reprise. Et j'ai reçu le mail ce midi. Je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo découverte. Donc, c'est parti sans plus attendre. Nouvelle partie. Mode histoire, l'expérience, sur l'histoire et l'exploration. Non, on va prendre le mode action. Oui, Far Cry, ça a toujours été l'action, quoi. Mais bon, je peux comprendre que certaines personnes préfèrent juste avoir le scénario. Donc voilà. C'est parti. Cinématique, je me tais. En 1967, une guérilla, nanana, bref. Figée dans le passé depuis 47 ans, l'île sombra dans la pauvreté, jusqu'à qu'un nouveau dirigeant élu déclare pouvoir reconstruire le paradis, le président de Yaran. Anton Castillo. Castillo, du coup, car en espagnol, My true double L, Yarans, c'est un jean, je crois. I stand before you armed with truth. For too long, our country was stolen by politicians. But you elected a vision, a cure, a road to paradise. Viviro, created by our own brilliant scientists, the most effective treatment for cancer the world has ever seen, grown within our precious tobacco, modified with the purest fertilizer, Viviro is the key to rebuild paradise. But our paradise comes at a cost. This our enemies will never understand. Yara did not elect me to do what's easy, but to do what's right. And so, with renewed focus, I must extend the draft to paradise. True Yarans, from across our island, chosen to produce enough Viviro to heal the world and save our country. These lucky Yarans will be chosen by random lottery. Even my own son Diego. Hey, Danny. And like a true Yaran, he turn would that serve shit off with a smile on his face. Precisamente. Exactly what Castillo wants. Enough politics, Lita. You think the draft is only taking true Yarans? It's the outcasts, the poor, orphans like us. He's bringing slavery back from the dead. In Yara. You can't run from this. Hang on. You ditched us. Ran off to the jungle with a bunch of guerrillas. Libertad. Now you're back here to recruit for Clara Garcia's local crusade? Come on, this is our big goodbye. Danny, fucking say something! Danny Rojas. Moi, je vais prendre la femme. Voilà. Je sais pas pourquoi mon jeu est là en anglais. Pourtant j'avais mis français lors du lancement du jeu.
Je crois qu'il faut installer la langue. They got my name wrong. Danny, you could help Libertad. You're trained. Would have been career military if you weren't such a fuck-off. Just come with us, Lita. Aye. You never fucking listen, Danny. Hey, time to go. Boss waiting. Drinks in Mexico. Dinner in Miami. Coño! Fucking blackouts. Too big for a blackout. You fucking packing? Oye, do you know what's going on? Fin del mundo! Draftees must report for duty. You will join us to rebuild paradise. What the fuck? Draftees must report for duty. You will join us to rebuild paradise. Alejo! No! Draftees must report Alejo, for duty. Alejo, get down! You will join us to rebuild paradise. Alejo! Draftees must report for duty. You will join Danny. Us to rebuild paradise. Ça rigole pas sur l'île de Yara. Now, the boat. You're coming. You promise me, Lita. Si. Come on, Danny. J'ai mis en français, non? T'as une langue des sous-titres. Ok. Ok, Danny. On va revenir vite fait au menu là. Ça m'intrigue pourquoi l'audio n'est pas en français. Ah bah ouais, faut le télécharger. Wow. 1%, 2%. Bah pour l'instant, on va continuer. Hein. Je suis désolé, on va continuer. Progression de... Ah ouais, faut que j'attende. Vous savez quoi, on va se retrouver lorsque le téléchargement il sera signé. Pour mettre les langues en français, à tout de suite. Donc les amis, on va reprendre. Le téléchargement est fini. Stay close, Lita. Mais je comprends pas pourquoi c'est toujours une boutique. Hein, ouais. Dans les vieux vidéos. Bon, c'est un peu galère. Hein. Ouais, faut encore que je revienne au menu. Ok, Danny. Parce que j'ai pas encore sélectionné. Désolé hein, pour tout ça. Comme quoi, c'est les joies du direct, entre guillemets. Allez. Cette fois-ci, c'est la bonne. Hop. Hop. Français. C'est pas que j'aime pas la VO. Hein. C'est juste histoire de faciliter la compréhension. Alors, tout le monde n'aime pas la VO, préfère la voix de leur pays, quoi. C'est parti. Attendez, je trouve le son du jeu un peu fort. On va mettre à 80. On va mettre comme ça. Je fais sonner. On arrivera à Miami. On rendra hommage à Calero. C'est promis. Vous les appelez sa majesté. Merde!
crédit, il n'y a personne ici. Ok. Que sont les gardes? Hé, hey, Rojas, va les répondre à l'appel. Danny Rojas a intérêt à ouvrir cette porte. Allez. Moi le jeu ça va, il est pas moche hein. De toute façon je le trouve pas trop moche. Dans les trailers j'ai pas trouvé ça ouf. Mais finalement ça va, ça passe hein. C'est pas extraordinaire. Merde. C'est pas incroyable mais c'est joli, sans plus. Bon. Je comprends pas pourquoi je peux pas croire, je pense que c'est fait exprès, mais c'est vraiment... On arrive au bateau, ok. Tu n'arriveras à rien. On rendra hommage à Alejo. C'est promis. Ah ok, faut pas se faire repérer en fait, je sais pas, comme j'ai pas d'arme. Faut pas me donner son gun. Je vois quoi dire. Wesh, il a pas tué le. Ok. Ah ouais, l'IA. Elle risque d'être aux fraises. Hein. L'IA, ça promet. Hein. Wow. Ils vont nous voir. Merde, j'ai pas lu le. Ça fait un paquet de soldats, Alita. Passons par les égouts. Bien sûr, moi, sur la dernière, le dernier garde, celui qui m'a repéré, l'enfoiré. Oh non, mais sérieux. Wow. Je peux même pas courir là. Merde. C'est moi j'ai mis en surbrillance les ennemis, ça me permettra de mieux les repérer. Danny Rojas a intérêt à ouvrir cette porte. Allez. Go. Traverse cette place. Ils vont nous voir. Mais non. Fais-moi confiance. Les Japonais sont priés de sortir sur le pas de leur porte. La force létale sera employée en cas de recours. Ça fait un paquet de soldats, Alita. Façon
Yes. On va repérer cette fois-ci. C'est la guérilla. C'est quoi ce bordel? Tout ce sang. Allez, allez. Tac, tac. Bien. Le bateau va pas nous attendre. Merde. Avec moi, Alita. Putain. Ah ouais. Stop. Restez où vous êtes. Elle s'enfuit. Allez, vite. Ah ouais. Alita, une tyrolienne. Non appelé. Restez chez vous. Ah. Annie. Ça va? Ouais. Il y a une terroriste. Pardon, excusez-moi. Il s'est rien passé. Alors là... Ah franchement j'aime... C'est stylé. Hein. J'aime bien les... La pluie comme ça là, on sent bien le... que c'est la guerre quoi, c'est pas la guerre civile, tout ça. Tout le moment le truc il se casse. Ouais je crois que c'est par là. Tac, faut aller prendre le bateau. Elle laisse l'armée nous massacrer. La police, elle est corrompue. Le bateau est là-bas. Cours. Ah, par contre, il faut éviter, je pense, la lumière, quand même. Go, go, go. Dépêche-toi, Alita. On y est presque. C'est parti, cinématique. Pitié, on doit monter dans ce bateau. Grand-mère, qu'est-ce que je vais faire avec ces cartes de baseball? T'as aucune idée de leur valeur. Laisse-nous passer. Doucement. Marco, sacré sens de l'accueil. Danny, t'es en retard. Il est où, Alejandro? Il a filé sa place. À sa famille. C'est des conneries. Alejandro est un orphelin. Alejandro va plus pouvoir voyager maintenant. Allez, Marco. Laisse-les monter. Allez, dépêchez-vous. Merci. Grâce. Laissez-nous monter. Gracias. T'inquiète pas pour ça, Chamaco. Tiens, c'est tout ce que j'ai. C'est pas normal, Danny. On devrait se battre, pas s'enfuir chez les Yankees. Alejandro t'a fait un putain de cadeau, Lita. On survit. Comme à l'orphelinat, comme à l'académie. C'était quoi? Ah oui, ça c'est la fameuse cinématique qu'on avait eue en trailer. Il y a longtemps, avant d'être El Presidente, mon père aimait pêcher. Nous pêchions sur un bateau comme celui-ci. Nous prenions plein de poissons et ensuite, nous les relâchions. Il disait, le but n'est pas de toujours s'empiffrer, mon fils. C'est également un challenge. Sauf quand il capturait un énorme marlin bien charnu, il était trop fier pour le laisser s'échapper. Espèce de dingue! Vous empoisonnez Yara et vous empoisonnez votre fils! J'ai ferré un énorme poisson aujourd'hui. N'est-ce pas, Diego?
Diego! Mais non... Je t'ai trouvé, fils. Il faut rentrer à la maison. J'en ai assez de cette vie, papa. Nous n'avons pas le choix. Libère-les. Ils peuvent travailler pour le Viviro. Vérité ou mensonge? Vérité. Ils feraient de bons ouvriers. Ils pourraient rebâtir le paradis. Mais si tu tenais à ce qu'ils survivent, tu n'aurais jamais choisi d'embarquer sur ce bateau de misère. 13 ans seulement. Et Diego a tellement de compassion pour son peuple. Ce poisson, nous le ferrons et le relâchons. Qu'est-ce qui se passe là, putain? On est dans la merde. Vamos, vamos! Danny! Lita! Je sens plus mes jambes. Merde, Lita! Tout est de ma faute! Mon téléphone! Laisse tomber, Lita! Mon téléphone! C'est la plage, Danny. Ce putain de destin. Quoi? C'est là qu'elle se cache. Clara. Libertad. Julio. Merde. Julio. Tout est là. Prends mon téléphone. Suis le code. Comme quand on était plus jeune. Arrête! Lita! Tu vas t'en sortir, t'inquiète pas, je vais trouver. Non! Faut lui donner ça. Clara peut t'aider. Tu comprends pas. T'as toujours eu de la chance. On a toujours eu. Lo siento, Lita. Ah, je me suis trompé, c'est pas Québec, mais c'est Toronto et Montréal qui le développent en collaboration avec d'autres studios Ubisoft, notamment Shanghai, Kiev et... Il avait écrit un autre, mais je m'en rappelle plus du nom. Far Cry 6. Donc ça promet... Sans plage, j'ai une machette. Tous ces morts. Putain. Je devrais récupérer le matos que je trouve et me barrer d'ici. Un petit gun. J'ai plus de balles. Ah. Je dois trouver ce camp. Ah ouais, sacré tête. Hein. On va un peu l'eau. Oh, il y a des poissons. Ah. Même pas les poissons. Cogno. Comment ce truc peut encore marcher? Ces signes, c'est sûrement le code dont parlait Lita. Donc ouais, je pense qu'il faut suivre le chemin. Ah, présence ennemie ici.
Chez Graffiti. Un brassard bleu. Ça doit être Libertad. Ouais, pas des balles. Non, pas de... Merde, qui est-ce qui tire? Faut pas faire de bruit. C'est l'accident des trucs pourris de l'intérieur. Sinon, comment j'aurais pu savoir que... Cognon, une patrouille. C'est pour ça que je t'ai buté. Je vais le signaler au chef. Toi, tu vas te faire bouffer petit à petit par les crabes et les rapaces. Ils adorent la chair pourrie. Tu vas voir. Sergent, je vois des traces de sang. Ouf. Te retourne pas, madame. Oh ouais, la violence. Je suis pas la seule personne à rechercher Clara. Oh ouais. C'est quoi? Ça pourrait servir. Équipement jambes. Ah ouais, ok, on a des builds. Par exemple, là, si j'ai tout, il me semble... À moins que j'ai déjà le bonus, ça me permet de transporter plus de munitions. C'est cool. Allez. Alors, on va continuer notre progression. Vous voulez un bateau? Se tirer loin d'Yara. Facile. Et voilà que je me parle maintenant. Oh merde, je peux garder mes distances. Oh, il m'a fait plein le bâtard. Wesh. Tiens, voilà. Oh ouais, viande de sanglier. Ça m'a fait peur, hein. Oh, il y a un autre, quoi, là. J'ai l'impression... Merde, le con. Les temps sont durs pour les guerriers russes. Ça va me servir. Je me suis pas servi de ça. Hop, grappin. Lara veut voir personne. Tu vas oser te montrer avant de me tuer? Je suis Dani, une amie de Lita. Silencio. Tu es la seule survivante? Réponds-moi. Je répète, tu es la seule survivante? Si. Quelle chance. Lita savait les risques. C'est tout ce que t'as à dire? T'es là, c'est ce qui compte. Pas pour longtemps, crois-moi. Je compte bien me barrer de Yara. Mais t'es dans mon camp. J'ai besoin d'un refuge, quelques jours. Libertad n'est pas une ONG, désolée. Mais Lita m'a dit que... Lita disait aussi que t'avais du cran. Come mierda. T'es orpheline, c'est ça? C'est dingue comme les amis peuvent remplacer la famille. N'oublie pas, Dani. Castillo t'a laissé sans famille. Pourquoi tu veux te barrer? J'ai vu Castillo faire exécuter un bateau rempli des nôtres. Tirez-vous aussi loin que possible de ce psychopathe. Tirez-vous!
Quand la tyrannie fait loi, la révolution est un devoir. Cité Bolivar te sauvera pas. C'est de Pedro Albizu. Et tu vas sauver Yara avec tes bouquins ? Oui, j'ai même une liste. Élection libre, expression libre, des parias libres, un pays sans les Castillo. C'est simple. C'est simple ? Castillo, il a quoi ? Dans les 300 000 soldats ? Et tout ce que je vois, c'est 6 guerrilleros à bout et toi, avec une balle dans la jambe. Tu ne me crois pas ? Je vais te montrer. On a lancé un assaut sur cette île depuis notre base. C'était une opération classique. Attaque de champ de tabac à Viviro, vol de carburant, retour au bercail. Mais les gars de Castillo nous attendaient. Sur 60 guerrilleros, 54 ont été tués. Tu dois retourner à ta base. Oui. Mais cette île est soumise à un embargo. On n'a pas de bateau. Pas beaucoup d'équipement. Et on ne partira pas avant d'avoir fait cramer cette plantation de Viviro. Mais on est des guerrilleros. On connaît l'île comme notre poche. Tu connais déjà nos passages secrets. Ils ont été construits par les légendes de 67 et s'étendent sur tout Yara. Et maintenant, ils sont à nous. Ils sont parfaits pour surprendre les soldats ou te planquer quand l'armée est à tes trousses. Et ils ont des caches qui t'aideront à survivre. Et les données sont à jour ? Cette carte est super vieille. C'était pour les touristes. Non, elle n'est plus à jour. Mais elle indique les régions, les municipalités et les points d'intérêt d'Yara. Tu vas t'y faire. À présent, je dois parler aux habitants du coin pour nous avoir un bateau. Et je veux que tu rejoignes Juan Cortés. Qui ça ? Quelqu'un qui peut transformer un guerriero en machine de guerre. Tu sais que je suis pas une guerrière. Lita le savait. Je t'offre la bouffe, un lit et même un bateau pour aller voir les Yankees. Mais ça va te coûter des balles et du sang. Tu sais tirer ? Alors tire. Installe-toi. Et dis-moi quand tu veux payer ton loyer. Hop, petit fusil d'assaut. T'es prête ? On va se faire cette petite mission pour la découverte et... J'ai attaqué cet archipel avec un homme du nom de Juan Cortés. Il m'a aidé à monter Libertad à partir de rien. Juan est un maître espion de l'époque pré-Castillo. Il peut te construire un putain de missile à partir d'un bac à glaçons. Il a bossé pour Espinosa et le KGB, puis il est passé à la CIA et au Mossad pour le fun. Juan est mon mentor, mais il est instable et alcoolique. Quand tout s'est pété la gueule, il avait si honte qu'il s'est tiré de mon camp. Les soldats de Castillo se feraient une joie de capturer un agent double comme Cortés. J'ai besoin de lui au sein de Libertad, Dani. Il veut plus nous voir, mais toi, rends-toi dans ce village et amène-moi Cortés. J'espère pour toi qu'il est sûr. Hop. Tu comptes vraiment laisser cette crevure tac, rester tac. Là. Et pourquoi pas, Julio ? Parce qu'on n'est pas un putain de refuge. On a une petite folle. Je peux pas prendre un véhicule là, y a pas de véhicule. Dani, ton oreillette marche bien, tu me reçois ? 5 sur 5. Du bon matos d'espionnage, Clara. Rien à dire là-dessus. Tu n'es pas dégueuillé graphiquement, vraiment. Si tu ne veux pas t'attirer d'ennui. Surtout dans les zones truffées de soldats, d'accord ? Ouais, entendu. Comment je cache l'arme ? Si ça n'en vaut pas la peine. Bonne chance. Ah ok, comme ça. Vous gagnez pour vous faire oublier, vous risquez tout de même d'éviter trop près, dégainer rapidement, ok. Il y a des soldats.
On cherche un homme du nom de Juan Cortés. Ce nom me dit rien. À quoi il ressemble? Vieux. Il porte un chapeau de type Fedora et... Ça va? Oh, j'étais, ça se trouve, je l'ai sauvé de la vie, là, au petit, et... Ok. Je pense c'est pas mal, hein. Un garde du jeu, vas-y, on va se les faire. Hop, dégage. Tais-toi, j'ai rien de faire. C'est pour la guérilla. Oh, tu vas où, toi? Reviens là. Allez hop, ça dégage. Qui serait en train de dans un bar. À le bar. Ah, là-bas, là, le bar, du coup. On dirait bien que c'est Juan. Aujourd'hui, on boit un coup dans le bar le plus miteux d'Yara, ou bien de Colombie, du Kirat ou de Tchétchénie. Laisse la bouteille, ce sera plus simple. De nada. Guapo, écoute-moi, règle numéro 16. Un guerriero ne connaît jamais le repos. Il y a toujours une autre guerre, un autre rad, un autre barman pas beau à boire. Juan Cortés? On peut jamais être tranquille, Guapo. C'est pas un putain de zoo ici, l'ancêtre. Clara m'envoie te chercher. Si. J'ai appris il y a longtemps à ne jamais douter d'elle. Tu verras. Mais je te connais, toi. Tu dois confondre. Si, je te connais. Comme si je me voyais dans un miroir, Guapo. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tes yeux, camarade. T'as une faiblesse. Tu te prendras pour une héroïne, mais tu deviendras une accro. Exactement comme Juan Cortés. Santé. Laisse tomber, je suis en train de perdre mon temps. Tu sais siffler? Quoi? Non, tu sais pas siffler. Cogne! Pigne! Espèce de sale rat. Tu vaux plus mort que tu veux, en fait. Si, Guapo est amoureux de toi. Et j'ai ruiné le seul exemplaire de mon livre. Bon, les amis, on y va? Une fois encore, je crois qu'on est prêt. Il a une AK de bâtard. Aïe, Guapo. Baisse ton arme maintenant. Vas-y, Guapo, là, attaque Guapo, là. Ok, c'est bon. Maintenant, barrons-nous avant que l'armée tout entière réplique. Peut-être bourré, mais toujours lucide. Je te suis, le vieux. Guapo veut être ton ami. Ou alors il a juste envie de couler un pont. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Vamos. Guapo, is amigo. Allez, on coupe par ici.
pour débloquer leur capacité unique. Ok, cool. On voit que tu sais te servir d'une arme. Amigo. Ouh, y'a 1, 2, 3, 4, 5 amigos. Pas mal du tout. Hein. Guapo. Après, on a le chien, la chorizo. On a un autre chien, je crois. Après, on a un corbeau, un aigle. Un quoi, une espèce de loup, d'ours. Ouais, ton nom. Danny. Et Clara m'a dit que t'étais une légende, un ex du KGB, de la CIA. Allez, guapo. J'ai plus d'ex que le plus grand des Casanova. Certains hommes cassent des œufs au petit-déj. Mais Juan Cortés, lui, c'est des putains de pays qui cassent pour son petit-déj. Attends. Changement de plan, Danny. Vamos. On est censé retourner au camp de Clara. Où est-ce qu'on va, là, bordel? Vas-y. Bon, on va attaquer une petite base, là. Au moins, je peux compter sur toi, guapo. Dégage de là, allez! Mort! Hé, hey, t'es sourde ou quoi? En fait, t'as un cerveau. Vas-y, attaque, guapo, frère! Tu vas faire avec ça, Juan. Ça pourra peut-être servir. Tac. Encore de la récup pour Juan. Un seul avenir et un seul président pour vous mener au paradis. Passons aux choses sérieuses. Ouh, M16. J'ai trouvé ton truc, Juan. Oui, c'est ce que je dis depuis le début. Allez! Ok, on en a plus qu'il en faut. Foutons le camp d'ici. Alors c'est quoi toutes ces... Hein? Écoute bien, Juan. Alors c'est quoi toutes ces merdes? Tu construis quelque chose? Patience, Danny. Règle numéro 8. Les guerriers savent attendre. Franchement, j'aime bien le jeu. Les premières impressions sont plutôt positives. Hein. Bon, l'IA, je trouve que c'est de la merde. Hein. Clairement. Elle est à l'ouest. À voir plus tard dans le jeu. Lors de la progression, de notre progression du perso. Si l'IA va s'améliorer ou non, mais j'ai un doute là-dessus. Guerriero un jour, guerriero toujours. Allez, arrête avec ça. Trop tard. Les gamins sont devenus complètement accros à la poudre blanche. Y a pas d'autre solution. Ma solution, c'est l'Amérique. Bien sûr. Et tu crois que les Américains veulent ton sang Yaran? Le rêve américain, c'est pour les Américains, Danny. Tu t'arrêtes jamais, hein? Non. Guapo déteste les larmes. Cogno. Si vous êtes si proche, pourquoi il me suit? Guapo va avec ceux qui ont besoin de lui. Comme ces chiens de thérapie qu'ils ont en Amérique. Hein? Écoute bien, Juan. Guapo va avec ceux qui ont besoin de lui. Comme ces chiens de thérapie qu'ils ont en Amérique. Il faut avoir toute confiance en toi. Ouais. Je demande à voir. T'as le temps. T'as dit que son hélicoptère avait été abattu pendant l'invasion. Tu peux le réparer? J'ai vu le bruitage des armes. En Amérique? Non, je... Il est cloué au sol. Mais j'y travaille. Patience. Maintenant, Juan Cortés va te montrer comment on fabrique quelque chose à partir de rien. J'ai déjà parlé de la règle numéro 9.
à l'instant. Toujours utiliser le bon outil pour le bon boulot. Une règle pleine de bon sens. Ok. Allez. Allez, plus vite, Juan. Je comprends que t'es un peu âgé, mais quand même. Nous sommes en guerre. Viva la révolution. Allez, objectif terminé, cinématique. Combien ils sont ? Le retour de la légende. Ouais, bah la légende doit aller pisser. Qui c'est ? Une journaliste qui a osé traiter Anton de fasciste. Depuis, c'est une paria, une esclave de son paradis. Et ce n'est pas la seule, Danny. Il est temps que t'apprennes à bricoler, Danny. J'ai monté un moteur de tronçonneuse sur mon vélo à 6 ans. Le blocus me force à bricoler tous les jours, Juan. Voilà, tu parles de survie. Dans la guérilla, bricoler, ça se résume pas à faire avec ce qu'on a. C'est répandre le chaos avec tout ce qu'on a. Je t'écoute, vas-y. L'établi est le meilleur ami du guerriero. Voilà. Vas-y, Danny. Fais-toi la main. Alors, regardons un peu tes armes. Ne le prends pas mal, mais ton fusil, il est banal. On va s'occuper de ça. Règle numéro 9, toujours utiliser le bon outil pour le bon boulot. Parfois, je cogite dans mon lit et je me dis, Juan, super, Danny. Tu vas pouvoir éclater la tronche de l'ennemi comme une pastèque. Maintenant, voyons un peu ton autre fusil. Imaginons que ta cible porte un casque et les balles sont fiables et précises. Bien ! Maintenant, tu as ta propre réserve de crimes de guerre en puissance. Passons à tes accessoires. L'heure est venue de fabriquer ton premier silencieux. Ça va te transformer un bang en bang. Bon, t'as vu comme c'était facile ? Maintenant, tu peux descendre tes ennemis en traître. L'établi est ton ami. Il pourrait même devenir ton meilleur ami. Fabriquer des trucs. Ouais, ça je m'en lasse pas. Avec cet établi, on va pouvoir reconstruire Yara. Voilà, opération terminée. Juan est remplaçable. Personnaliser, améliorer des armes bricolées en utilisant des matériaux, voler des matériaux ravitaillement, ok, chasser des animaux, ok. Ça te dirait d'aller prendre. Ça marche, ça marche. Arme de poing. Est-ce qu'on peut lui faire un silencieux au pistolet ? Ok, il y a plusieurs. Ça marche. Bon, les amis, on va s'arrêter là pour cette découverte de Far Cry 6. Donc mes premières impressions elles sont plutôt positives. Le jeu est plutôt fluide et beau sur la PS5. Hein, je trouve pas ça moche personnellement. Donc voilà. L'histoire elle semble être assez basique. Hein, ça, on va faire une révolution, tout ça. Ça me rappelle un peu Just Cause. Donc voilà. De ce côté-là. Après l'IA, franchement, je la trouve vraiment, vraiment merdique. Hein. Suffisait de voir au début du jeu, lorsque je m'étais fait repérer, qu'il fallait être discret, bah, je m'étais fait repérer, le garde, il n'a pas bougé, il est resté au même endroit. Donc voilà. Bref, de mon côté, je vais avancer tranquillement dans le jeu. C'était une petite vidéo découverte. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour pas rater l'actualité des jeux vidéo. Et également à me suivre où je suis plus actif sur YouTube. À visiter mon blog pour avoir différents tests et notamment des news aussi sur les jeux. Donc voilà, voilà. Donc c'était Ryan 925. Et
Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager, encore une fois de plus. Prenez soin de vous, ciao tout le monde.